Salut Dawn, on se retrouve pour la suite sur Kingdom Come Deliverance. La nuit est tombée puisque nous avons dormi jusqu'à la nuit. Et ça va être l'heure de visiter des méchants qui volent aux demoiselles en détresse. Je suis trop lourd et ça m'embête un peu. Voilà, c'est bon. Oups. Ouais, désolé, mais il faut pas que tu... Oh, il avait des sous, lui. Où est le... Celui qui l'a pas payé. Il n'y a pas grand monde à l'auberge pour l'instant. Il y a des gens qui jouent au dé. Je te souhaite une bonne santé, Henri. Merci, vous aussi. Bonne santé. Je suis sûr que je pourrais virer les gens au dé. Mais j'ai pas... What? Il est parti dans les bois? Qu'il va faire dans les bois. Il est où? Il est où? Premier truc qui tourne. Il n'y avait pas de gros chaînes, il y avait une bourse remplie.
y a plein de gens ici. Ah, oh, désolé. Je vous ai assommé. Demoiselle en détresse. Merci, merci. What? AT21 000. Mon Dieu, pourquoi vous me tirez du sommeil? J'ai votre argent. Même si je dois avouer que détrousser un misérable qui a l'air tout aussi mal en point que vous ne me remplit pas vraiment de fierté. Merci infiniment. Gardez-en la moitié en remerciement. Vous avez autre chose à me proposer? Pour toi, évidemment. Tu m'as apporté de quoi me nourrir. Mais j'ai froid et je n'ai personne pour me tenir chaud le soir venu. Navré, mais je ne peux rien faire pour vous. À moins que vous vouliez que j'aille vous voler une couverture. Pas une couverture, une écharpe en laine. La mienne. J'avais touché le fond, alors je l'ai échangée contre une bouchée de pain, et maintenant je regrette. Récupère-la, s'il te plaît. C'est comme si c'était fait. Merci, mon mignon. J'ai donné cette écharpe à une villageoise qui vit à l'ouest, non loin d'ici. Et pour te motiver un petit peu plus, je sais aussi qu'elle possède un vieux livre de valeur dans un coffre. Si tu parviens à mettre la main dessus, il pourrait te rapporter gros. Au revoir. D'accord, d'accord. Bien le bonjour. Bien le bonjour. Pourquoi elle s'est interrompue? Peut-être qu'en ouvrant la porte, elle n'est pas capable de parler. Alors, on va retenter le coup là. Avec beaucoup plus de monde. Faut pas qu'il y en ait un qui rentre, hein, là. Clairement. Et maintenant, on se sert. Alors lui, j'ai déjà pris ses sous. Et j'ai presque 1000 gros chênes. Elle rentre, moi je ressors, tout le monde est assommé.
Elle va monter là? Bon, soit. Ça m'embête de dormir le reste de la nuit. Alors, ce qu'on peut aussi faire, c'est prendre une torche et faire la suite du trajet maintenant. Ah, je pense qu'elle allait chercher ses vêtements, la vieille catin. Alors, on est là. Si on prend ce chemin-là, qu'on va à droite, puis au centre, grosso modo, on peut aller jusque à Thalberg où j'ai des trucs à voler. Alors, je crois que j'ai pas pris le bon chemin. Je suis pas censé passer devant des coumans, moi. Oh là là là. Là, il y a un chemin. Yeah. Attendez, j'ai déjà perdu le chemin là. Il est là, d'accord. Yeah. Et là, il y a un lapin qui traverse. Dommage, je ne cherche plus de lapin. Et me voilà à Thalberg. Bon, vous reconnaissez pas parce que je suis jamais passé par là, mais moi je reconnais. Et non, s'il te plaît, tombe pas dans l'eau. Bon, d'accord.
regarde Radim est toujours à la porte. Il a demandé à me fouiller ou pas? Il peut, il m'a dit attendez un instant, on est d'accord. C'est toi le jeune homme qui est revenu de Scalis à moitié mort, pas vrai? Oui, c'est moi. C'est bien moi. Pourquoi? La dame du château te réclame. Elle souhaite s'entretenir avec toi. Ah. Dans ce cas, je passerai la voir. Merci. Parfait. Il la fait pas attendre. Que Dieu vous accompagne. Mince, il prend le même itinéraire que moi. Voilà, attendons qu'il soit passé. C'est bien ici l'armurerie. Que je ne m'y méprenne. Ah, j'ai juste eu... Hop, c'est ça. Ouais. Faut que je fasse quoi? Obtenir les clés de l'armurerie de Tannberg. Oh, pas besoin. C'était déjà ouvert. Perdre mon calme. Ouais, venez avec moi. C'était quoi ce bruit? Ce que c'était. Ah. Parfait. Il y a quelqu'un? Je crois qu'au contraire, c'est en bas. On peut dormir et sauvegarder là. Ah, c'est trop difficile, je m'en doutais. Oh. J'espère que c'est du stock et que les soldats ont ce qu'il faut quand même. Sinon ils vont être embêtés pour défendre la ville. Ah, on peut passer là, ouf. Ouais, mais j'ai pas les clés. Faudrait que je prenne les clés d'abord. Semblerait-il. Hmm.
d'épée d'arc pour le cheval. Oui, le garde qui a les clés. À l'autre bout du château. Ah non, là. D'accord. Oh, ça va, franchement. Il y a des gardes partout, mais... Je gêne pas avec mon cheval. Hein. Il y avait des trucs qui valaient tellement. Alors c'est que des trucs volés, donc on va probablement les revendre. On a gagné des niveaux. J'ai eu les uniformes. Faudrait que je les apporte au type en question. Ce qu'on fera un jour ou l'autre. Voilà, j'ai 165 de poids d'objets volés, grosso modo. J'ai Dame Tiphaine qui dort là, me semble-t-il. Qui a une mission à me confier, paraît-il. Que le Seigneur vous garde. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, désolé de vous déranger en pleine nuit, mais... J'ai ouï dire que vous souhaitiez me parler, gente dame. C'est exact. J'ai besoin d'une faveur. Que puis-je faire pour vous? Ma cousine, la jeune Sophie, est sur le point de se marier. Ce sera pour elle le début d'une nouvelle vie, et je veux que tout soit parfait. Je voudrais lui offrir un certain nombre de présents, et c'est vous qui allez partir me les chercher. Pourquoi moi, gente dame? En principe, je délègue ce genre de tâches au chambellan, mais ses goûts laissent à désirer. Je ne peux pas lui faire confiance. Et tout le monde ne cesse de répéter qu'aucune mission n'est insurmontable pour vous. Est-ce vrai? Assurément. Ce serait pour moi un honneur, gente dame. Il faut que vous alliez à Sasso me récupérer une couronne d'apparat pour Sophie, du vin à un marchand de ratais et un rouan à l'écurie d'Uzis. À qui dois-je aller chercher le vin? À Conrad Hagen de ratais. Ce marchand est seul de tout le fief qui propose un grand cru authentique. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Tenez. Ça devrait être suffisant. Oh, merci. Et pour la couronne d'apparat? Je l'ai commandée à des graveurs de Sasso, mais ils viennent de m'avertir d'un retard dans la fabrication. C'est intolérable. Le mariage approche à grands pas et il me la faut. Passez voir le maître Jérôme et récupérez-la. Vous m'avez parlé d'un rouan d'Uzis. Tout à fait. C'est un animal superbe. Vous le verrez par vous-même. Dietrich m'a affirmé qu'il allait l'amener ici lui-même. Mais je le vois déjà se tuer en essayant de le chevaucher. Vous, en revanche, vous êtes jeune et vigoureux. Très bien. Du vin, un rouan et une couronne. Je m'occupe de tout. Merci, Henri. Si seulement j'avais d'autres hommes dignes de confiance sous la main. Gente dame, si vous me le permettez, j'aimerais vous donner ceci.
Henri, mon garçon, quel joli geste! Merci infiniment, elles sont vraiment magnifiques. De quoi? Que ce Seigneur veillez sur vous. Ah, j'avais des fleurs. Je devais avoir des fleurs sur moi. Le message n'était pas complet, alors c'est difficile de suivre. Il y a quelqu'un qui a une mission pour moi dehors. Je sais pas qui, mais... On peut aller voir. Je sais pas si c'est sur le chemin... Oula, attention les escaliers. Je ne sais pas si c'est sur le chemin de ronde ou autre part. On va faire un petit somme. Non, je suis encore très énergique. Quoique ça me permettrait de sauvegarder quand même. En plus, ce sera le matin après. Ah, nous voilà frais pour un nouveau départ avec un gros malus parce que j'ai encore fait ce fichu cauchemar. Alors ça sent la mission pas sur le chemin de ronde. Pardon monsieur le cheval. Bon. Il y a un aubergiste là-bas, allons voir l'aubergiste. On va faire un petit plongeon aussi. Attends, je me suis blessé là? Non, peut-être parce que je suis tombé dans l'eau. Bonjour, bonjour, bonjour. J'aurais passé à dire bonjour à l'aubergiste. Mais j'ai l'impression que c'est fermé. Ah, vous êtes dans un... Ça venait de par là. On passera à dire bonjour plus tard quand il sera réveillé. Attendez, par là. Il y a un truc à faire. Mais je sais plus quoi. Oh, jolie demeure. Je dirais que c'est la demeure du... Pas du chasseur, voilà. Désolé. Qu'est-ce que vous voulez? Vous, ah ouais. Vous appelez un garde. Qu'est-ce que vous faites ici? Il y a un objet de quête, je l'ai pas pris parce que j'ai flippé.
Bon bah voilà, je lui ai pris sa corne. Je sais pas quand est-ce que ça servira. Je croyais qu'il avait une femme. Le chasseur, je l'ai pas vu. J'ai pas regardé toutes les pièces non plus. Il y a un souci? Non, il n'y a pas de souci. Bah, chute alors. Il y a un truc à récupérer quelque part. Mais je sais plus où. Vous êtes. Je suis même pas sûr que ce soit là. Je suis sûr que c'est à Thalberg. Ça, je suis sûr et certain. Vous êtes le tanneur par hasard? Non. Ah, vous êtes le tanneur. Ou pas. Tanneur Brada. J'espère pouvoir vous aider, chevalier. J'espère que... Voilà. Vous n'auriez pas une tâche à me confier? Pas vraiment. À moins que vous ne soyez disposé à prendre quelques risques. Où voulez-vous en venir? Comme vous le voyez, je suis tanneur de peau. Je ne peux m'en procurer qu'auprès du maître chasseur, et il ne m'en fournit jamais assez. J'irai bien les chasser moi-même, mais il me surveille. Alors que vous... Je ne pense pas que le maître chasseur apprécierait que j'aille chasser sur son domaine. Certes. S'il vous prenait la main dans le sac. Écoutez, si vous m'apportez quelque chose, je saurai me montrer généreux. Et parfois, je dois satisfaire une commande particulière. Auquel cas, je vous paierai un supplément. Et si vous me prêtez main forte à plusieurs reprises, je pourrai même vous enseigner quelque chose d'utile. Vous n'avez pas besoin de peau? Ouais, le monastère m'a réclamé des peaux de lièvre. Ils en font des ceintures pour soigner le mal de dos. Je ne serais pas surpris que le vieil abbé en porte une aussi. Portez-vous bien. Très bien, très bien. On va essayer de vous trouver des peaux de lièvre. Mais il faut savoir que j'ai pas la compétence qui permet de récupérer la peau sur les animaux. Ça me facilite pas énormément la tâche. Oh, on va attraper ce nid. Il m'a cramé dans sa maison. Oh non, mais comment on peut rater ça? Voilà. Hop. Examinez le nid. Il y a un crochet. Alors, il y a un autre objet de quête dans une maison, mais je ne sais plus où. Donc, je vais rechercher pour le prochain épisode. Je crois que c'est un morceau de l'épée de la reine de Saba qui est perdu dans ses baraques. Je peux aussi fouiller toutes les baraques, mais bon. C'est pas que chercher dans chacune des mansardes soit long, mais en fait, si c'est long, il y a un garde. Ouais, c'est un garde. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. À bientôt dans le suivant.